Yon salutation spéciale pour ou même zami mouen. Ou même qui toujours été fidèle à rubrique pour la ma Bible, mon trésor. Dans rubrique ça, nous croyons en pile, l'homme a besoin d'une éducation intégrale. Yon éducation qui couvre tous les domaines de la vie de l'homme. Et là encore, nous capables toujours faire li avec une très bonne vision chrétienne. La Bible des provisions pour ça. Notre Dieu est un Dieu pourvoyeur. Il est un Dieu merveilleux. Nous t'ai déjà dit où l'homme est non seulement un être spirituel, mais également un être émotionnel. Au monde qui a sentiment la caille, l'homme est un être sexuel. Et la qualité relation que le gagne dans le domaine intime, qui selon les principes de la parole de Dieu, l'abjoigne toutes sortes de bénédictions. S'il décide d'apprendre et mettre en application tout ce qui est bon pour épanouissement complet. Bon, nous parlons trop. On rentre dans la cause noire. Toujours même sujet noir. Hygiène corporelle et relations sexuelles. Nous bâillons gloire à Dieu qui permet que nous guettons couvrir une bonne partie dans le programme que nous gagnons ensemble. Nous avançons toujours. Jodia nous va entamer deuxième partie dans la dernière séance que nous avons gagné concernant nous pas trop long dans exposer nous journée jodia mais espérer dans débat en ligne là a gagné bon gens interaction et nous capable partager davantage information. Nous t'ai subdivisé sujet nous en deux grandes parties. Premièrement, nous t'ai bail plusieurs informations par rapport à la réussite d'une relation sexuelle entre mari avec madame. Moun ki fiancé, célibataire, pas nan pratique relation sexuelle. C'est une bénédiction réservée aux personnes mariées. Nan relation sexuelle, c'est pas seulement les organes génitaux de l'homme et de la femme qui rentrent en contact. C'est toute la personnalité. Parce que la relation sexuelle est une fusion de corps et d'esprit. Ça veut dire l'esprit ou à 60% faut le disposer à la satisfaction sexuelle. Et corps ou, tout corps ou, de la tête aux pieds, lui rentrer également dans l'ambiance qu'a mené vers le zénith. Dans ce sens, l'on parle de hygiène corporelle par rapport à la relation sexuelle, nous avons en perspective la propreté du corps, des cheveux jusqu'aux orteils, cap contribuer à une disposition d'esprit et également cap créer une sorte de chemin éthique pour attirer davantage votre partenaire. Le corps doit être propre. L'homme marié, l'hygiène intime, l'est non seulement approprié à la propreté du corps, mais également son signe de respect pour propre tête pau et également pour votre partenaire. Bon, ça nous connaît déjà, nous pas besoin d'approfondir. Les odeurs corporelles, tant pour la femme que pour l'homme, peuvent être gênantes. Gen moun qui fait l'amour avec tout sensio, y compris l'odorat. Ou est kaou si malheureusement l'odorat de votre partenaire vous refuse. Et ensuite, les organes yo bien lavés, gen moins risque par rapport avec transfert de quelques maladies et infections. Tendez ça bien, les finis n'a fait équilibre. Dans relation sexuelle, a bien attouchement. Et attouchement la fait avant tout avec les mains. Ça veut dire, faut mains au propre, faut zon yo pas serré crasse. Tendez bien, c'est là mon a fait, c'est bonheur avec joie n'a partagé, nous pas capable à partager maladie. Quelle que soit partie que main pral toucher, assurez-vous que les mains sont propres. Bon, c'est jour-ci c'est la grande mode, laver main. Même si c'est main par l'autre monde nan, mais on pral toucher, faut le propre. M'a besoin d'où ou pral toucher visage li, tétil et même partie génitale li. Deuxièmement, point n'est besoin de nous éterniser sur l'hygiène buccale. L'odeur de la bouche. Bon, ça a son gros causé. Nous pas mettre bouche nous dans affaire monde. Mais si n'a fait ça, c'est pour bouche la propre. Les deux mon a fait l'amour, rien ne doit être dégoûtant.
Ok, on poursuit. Partie génitale garçon, li besoin également bien propre, ça veut dire bien laver. Garçon fait pour bien connaître qui façon pour laver et bien laver partie génitale. Le pénis doit être décaloté et décapé. Décaloté, s'il gen bec toujours, ça veut dire si prépuce la boucher tête pénis, replier li pour laver. Décapé, c'est enlever toutes les impuretés. Si bagay ou ressemble avec paille maille moulin blanche là, pas quitter le sous pénis ou. Li c'est agent de transfert de microbes. Li ka serré en pile gem maladie qui même ka bay cancer du col de l'utérus. Bon, sin dit que corps a fait pour propre, mais sous-vêtements yo également doit propre. La kaifia, c'est les mêmes choses. Mais nous connaissons, dans le vagin, il y a une partie intérieure et une partie extérieure. La nature fait bagala si tellement bien, pas gen anken urgence pour laver la partie intérieure. Corps a fait automatiquement. Partie extérieure seulement qui sous compte. Sauf si une prescription médicale bien déterminée pour ça. Tenez bien, même les la conseillé pour bien laver, oui, mais pas fait excès ou pas besoin utiliser toute qualité produit pour finalement ou chercher la propreté, surtout en ce qui concerne votre toilette intime. Gagne des produits qui très agressifs, ça veut dire qui capable attaquer la flore vaginale de la femme, qui capable détruire toute barrière protection pour microbes pas envahir vagin. Nous pas besoin vider parfum sous bagay là. Li gen propre odeur naturelle li. Évitez également servir à gants les n'a fait toilette. Nous connaît il y a des gants de toilette. Gants de toilette yo parfois yo kembe en pile microbe. C'est vrai, c'est tout un plaisir pour prendre un bain de mousse, mais parfois li très dangereux, surtout les produits au mélangé yo pas bien dosé. Bon, juste avant de tourner sur ça, bon pour ton autre petite précision. C'est pas seulement ou même et partenaire qui doit propre non, mais également côté n'a fait l'amour. L'endroit doit être approprié, propre et très romantique. Surveillez les draps, les serviettes de douche, le lit, la et tout l'autre bagaille qui a pris entrée dans l'ambiance tête perdue ça parfois. Nous parlons de ambiance tête perdue. Mais parfois, tout reste quoi qu'on propre. Mais tête là pas propre, non? Cheveux yo pas propre. Tête qui gen allonge ak perruque, qui mal lavé et qui commence bay quelques petits odeurs. Bon, zami mouen, ou capable comprendre que cause yo en pile. Et lise yon grande nécessité pour que peuple chrétien, surtout les personnes mariées, gen bon jan information dans domaine ça. Qu'on y a, ça n'a pas invité au fait. Retendez rubrique là, prends des notes, ça besoin corriger, tant pris, corriger. Et nous-mêmes, n'a demandé ou, pendant qu'on fait rubrique ça arriver le plus loin que possible, qu'on ait contact ensemble avec nous pour notre plus prochain numéro. Merci et à la prochaine.